Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment préparer et passer l'examen de Cisco CCNA. Aujourd'hui, je m'adresse aux débutants. Cela veut dire les gens qui sont des débutants en matière de réseau informatique, spécialement en matière de réseau Cisco. Vous savez que le CCNA, c'est une certification. C'est l'une des plus précieuses certifications qu'on peut trouver sur le marché de l'informatique. Vous allez dire que moi, je suis un passionnant de Cisco, mais c'est vrai, j'aime Cisco, mais je ne vous le cache pas, le CCNA est l'une des certifications les plus précieuses que vous pouvez avoir sur votre CV. Donc, le fait d'avoir le certificat de CCNA, Cisco CCNA, prouve que vous avez une bonne connaissance générale des réseaux informatiques. Ça, il n'y a aucun doute. Donc maintenant, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment préparer et passer l'examen de Cisco. Donc en premier lieu, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? Comment l'examen se déroule quoi? Pour pouvoir obtenir votre certificat de CCNA Cisco. Vous avez deux options. Soit vous pouvez faire deux examens pour obtenir votre certificat de CCNA, soit vous pouvez faire un examen. Mais attention, il y a des gens qui vont me dire que ah, je pense que faire un examen est plus simple que faire deux examens. Mais je ne vous le cache pas. Pour les débutants, pour vous qui êtes débutant sur le réseau de Cisco, il est plus facile de faire les deux examens pour obtenir votre CCNA que de faire le seul examen qui concerne le CCNA, le certificat de CCNA. Et puis la raison pour laquelle je vous dis ça, avec les deux examens-là, les questions sont plus faciles à aborder que le seul examen. Donc, si vous êtes un débutant, je vous conseille de prendre les deux examens. Maintenant, cet examen-là, la raison pour laquelle ils ont créé ça, moi, je pense que c'est pour les gens qui ont une connaissance approfondie en matière de réseau informatique. Par exemple, si vous êtes un vétéran, quelqu'un qui est déjà dans le réseau informatique et puis vous avez beaucoup de notions à propos des protocoles et tout ça là, vous pouvez prendre le seul examen pour passer votre CCNA. Parce que vous avez déjà une connaissance approfondie en matière de réseau informatique. Mais si vous êtes un débutant, un nouveau, je vous conseille de prendre les deux examens qu'on appelle ICND1 et ICND2. Maintenant, voici quelques conseils que je vous donne pour vous aider à votre préparation de l'examen de Cisco CCNA. Premièrement, je vous conseille d'aller sur le site de Cisco pour mieux avoir des informations à propos du certificat de CCNA. Et puis l'adresse est la suivante. Vous allez sur cisco.com, tiré oblique, et puis certification. Pour ne pas tarder, on va aller consulter le site rapidement. Je vais vous montrer. Vous allez vous taper ici cisco.com. Cisco.com. Et puis slash certification. Certification. Puis vous lancez ça. Voilà, vous allez vous retrouver sur la page de Cisco à propos des certifications. Et puis vous, ce qui vous intéresse, c'est le CCNA. Donc on peut aller ici sur certification pour essayer de voir. Et puis on va ici sur CCNA Routing and Switching. C'est ça, c'est là où on doit aller. Donc quand on va ici là, on voit que vous voyez que ici là sont les deux examens dont je vous parlais, ICND1 et ICND2. Maintenant pour vous, je vous conseille d'aller sur les deux examens. Par exemple, si vous êtes débutant, vous cliquez ici sur ICND1. Et puis vous voyez ici là, on vous donne ici là. En résumé, ce que l'examen
ce que sera l'examen, quoi. Comment les questions vont être posées et combien de minutes va durer l'examen et le nombre de questions qui pourront être posées au niveau de l'examen. Si vous cliquez ici, Revue exam topic, quand vous cliquez ici là, vous allez, pour plus de détails, obtenir en quelque sorte une liste. Voilà, vous voyez la liste posée au niveau de l'examen. Moi, je vous conseille ici là de prendre cette liste. Maintenant, vous prenez cette liste là. Vous voyez, Operation of IP Data Network et tout ça là, LAN switching. Et puis, ça vous donne en quelque sorte, grosso modo, la liste des les sujets à laquelle les sujets auxquels l'examen sera abordé, quoi, en quelque sorte. Donc, une fois que vous obtenez ça là, vous obtenez la liste des sujets abordés. Maintenant, à partir de là, là, vous allez définir un programme d'études. Maintenant, à partir de là, vous allez définir un programme d'études. Voilà. Parce que, pour moi, comme le proverbe le dit là, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire là? Il faut essayer de connaître les fondements de base des protocoles pour en quelque sorte mieux se préparer avec l'examen. Je vais prendre un exemple. Par exemple, prenons le protocole de ARP. Par exemple, si vous étudiez le protocole de ARP, il faut en quelque sorte savoir le fonctionnement du protocole pour aller ensuite maintenant aborder un autre protocole. Par exemple, si vous ne connaissez pas le fonctionnement d'un protocole, faut pas laisser ce protocole pour apprendre un autre protocole. Il faut en premier lieu connaître le fonctionnement. Parce que si vous ne connaissez pas le fonctionnement là, c'est pas la peine d'étudier un autre protocole. Voilà. Et puis les protocoles en quelque sorte la plupart du temps sont reliés, quoi. Par exemple, pour connaître le fonctionnement de le protocole DHCP, par exemple, si vous ne connaissez pas le fonctionnement du protocole ARP, il vous sera difficile, par exemple, de connaître comment le protocole DHCP ça fonctionne. Parce qu'ils sont en quelque sorte, y a un lien qui existe entre les protocoles, quoi. Voilà, maintenant il y a deux méthodes d'apprendre. Il y a deux méthodes d'apprendre en quelque sorte de se préparer pour l'examen Cisco, pour l'apprentissage, quoi. Il y a la pratique et il y a la théorie. Maintenant, je vais vous dire une chose. Théorie et pratique vont ensemble. Et puis je vous conseille, il faut démarrer par la théorie. Après, une fois que vous comprenez la théorie, maintenant vous allez sur la pratique. Et puis pour la théorie là, je vous conseille d'avoir des livres de CCNA, quoi. Parce que ça va vous aider pour votre préparation. Pour moi, ça là, je l'ai mis sur la présentation. Par exemple, Cisco Press et Todlam. Ce sont des livres là que j'ai utilisés lorsque je faisais mon CCNA. Mais vous n'êtes pas forcé d'utiliser ces livres. Il y a beaucoup de livres que vous pouvez trouver qui parlent de CCNA. Ça dépend de votre choix et de votre budget. Donc, je ne vais pas vous forcer de prendre ces livres-là, Cisco Press et Todlam. Mais je trouve que ce sont des bons livres. Moi, ce sont ces livres-là que j'avais utilisés pour me préparer pour mon CCNA. Mais ce n'est pas forcé que vous êtes obligé. Mais c'est un conseil que je vous donne là. Si vous ne connaissez pas tel livre, si vous avez, par exemple, des problèmes à choisir un livre pour le CCNA, je vous conseille de choisir les deux là, Cisco Press et Todlam. Ce sont de bons livres, quoi. Donc maintenant pour la pratique, je vous conseille d'utiliser, si vous pouvez utiliser les deux outils là, Packet Tracer et GNS3. Packet Tracer, c'est un outil qui n'est pas gratuit. Vous pouvez l'obtenir à partir de l'Académie Cisco. Tandis que pour GNS3, c'est un outil qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger à travers l'Internet en allant sur le site de GNS3. Vous téléchargez le programme et puis ce sont des outils vraiment qui sont vraiment excellents. Et ça vous permet de mieux solidifier votre pratique, quoi.
parce que ce sont des outils qui vous permettent de configurer les routeurs et les commutateurs à partir de votre ordinateur personnel. Vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel, mais je vous conseille une chose là. Le fait de se limiter seulement à paquet traceur et GNSSOA, ça ne suffit pas pour moi. Je vous conseille au moins d'acheter un routeur et deux commutateurs. Si vous pouvez, et puis je vais vous dire une chose là. Avec maintenant le développement de la technologie, les routeurs là, il y a des routeurs que vous pouvez avoir sur eBay, par exemple, moins de 30 ou bien 40 euros comme ça. Voilà. Donc les choses ne sont pas maintenant tellement chères. Vous pouvez avoir un routeur et deux commutateurs. Les commutateurs aussi, à moins de 20 euros ou bien 20 euros comme ça, là, vous pouvez avoir un commutateur. Donc je vous conseille donc d'avoir du matériel informatique, cela veut dire un routeur, au moins un routeur et deux commutateurs. Et puis avoir ces deux outils-là, paquet traceur et GNSS3. Paquet traceur, la raison pour laquelle paquet traceur a un avantage, parce que ça vous permet de faire simulation de ce que vous avez appris sur la théorie. Et puis, surtout en matière de commutateur, si vous voulez utiliser le commutateur là, paquet traceur est mieux que GNSS3. Mais si vous voulez faire du routage, par exemple, si vous voulez utiliser des routeurs pour faire votre expérience, je vous conseille d'utiliser GNSS3. GNSS3 est beaucoup plus complet que paquet traceur en matière de routage. Donc, les deux programmes-là vont ensemble. Je vous conseille d'utiliser les deux programmes pour mieux solidifier vos connaissances en réseau informatique. Donc, grosso modo, c'était ça pour cette vidéo. Et puis, dernièrement, je vais parler de répétition. Là, pour la raison pour laquelle j'ai écrit ici, répéter, je ne vous le cache pas. Il faut faire beaucoup de répétitions avec Cisco. Beaucoup de répétitions. Répéter. Parce que si vous ne faites pas la répétition là, vous allez oublier. Parce qu'il y a des gens qui disent que, par exemple, ce que vous avez appris là, si vous ne le répétez pas là, en moins de 21 jours, vous allez oublier presque 80% de ce que vous avez appris. Donc, je vous conseille de répéter. Et puis, Cisco va vous tester sur la compréhension. Donc, c'est pas la peine de mémoriser les choses. La mémorisation ne va pas avec Cisco. C'est la raison pour laquelle moi-même j'aime Cisco. Il faut comprendre. Il faut comprendre comment les choses ça fonctionne. Au lieu de mémoriser, il faut comprendre. La mémorisation, je ne vous le cache pas, il y a des choses qu'on doit mémoriser, surtout au niveau des commandes et tout ça là. Mais la plupart des choses, c'est la compréhension. Et puis, le fait de comprendre, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent. C'est ça qui peut vous permettre de ne pas oublier ce que vous avez appris. Mais la mémorisation, il ne faut même pas aller avec la mémorisation. Si vous êtes quelqu'un qui fait seulement de la mémorisation, ce n'est pas la peine de se préparer pour le CCNA. Vous n'allez pas passer votre examen. Ça, je ne vous le cache pas. Parce que ce que Cisco va vous tester le jour de l'examen, là, c'est votre compréhension. C'est pas les livres là, par exemple, que vous avez lu là, Torlam et tout ça là. Ça vous permet seulement d'avoir un pas sur la connaissance du réseau informatique. Mais je ne vous le cache pas, le fait de lire seulement les livres là ne va pas vous permettre d'avoir votre certificat de CCNA. Donc grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose à partir de cette vidéo, par exemple pour la préparation du certificat. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.